Claudia répondait. Non, donc charbon à charbon. Bon, il y a un issur de laver des vêtements. Alors, ce issur, pour nous, les Arabiens, il commence à partir de Torat Minhag, à partir du 2 Av. Donc, on n'a pas le droit de laver, même si on ne compte pas les mettre pendant cette période. Donc, on compte les mettre après, le fait de laver, c'est un issur. C'est la même chose concernant mettre des habits mekoubassim. Qu'est-ce que ça veut dire? Un habit qui sort de la machine à laver, qu'on n'a pas porté depuis qu'on l'a lavé, on n'a pas le droit de le mettre pendant cette période-là, à partir du 2 Av. Donc, comme il fait chaud, on a besoin de changer. Alors, comment on fait? Alors, il faudra que chaque vêtement qu'on pense mettre pendant cette période-là, il faudra le mettre à Rosh Chodesh ou avant, pendant une demi-heure. Comme ça, il sera surfé de la zéa, c'est-à-dire qu'il aura été imprégné de transpiration, il ne s'appellera plus mekoubass. Une fois qu'il ne s'appelle pas mekoubass, c'est à peu près une demi-heure, on pourra ensuite le mettre. Cette halakha de ne pas mettre mekoubass, ce n'est pas seulement les vêtements qui sont comme le pull et le pantalon, etc. C'est même les habits qui sont proches du corps. Et c'est aussi pour les draps et c'est aussi pour les serviettes qu'on met à table. On en a dit pour les habits des bébés. Alors les habits des enfants jusqu'à l'âge de 3 ans, on peut être mekoubass de les laver.